Et salut les potes SFX, on se retrouve pour un nouveau vlog. Donc comme je vois que vous avez apprécié le vlog où on parlait du 450 de Kevin, aujourd'hui on va faire le 450 de Wheelman, donc le rouge. 4 mois comme ça moi. Ouais bah toi ça va hein. Toi t'as passé le bras. 4. Oh. Toi t'as passé là. Qu'est-ce que t'as encore fait à mon chauffage qui ne va plus? Qu'est-ce que t'as encore fait? Quelle misère. Quel de misère. Attends, je vais filmer le 450 de Kev. Quelle isolation. Aïe 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 aïe. Oh là là, avec la lumière et tout là. Personnelle, comme par hasard, chaque fois que je viens, regarde, moi je stocke des pièces en ordre. Ici, le nouvel ordre, donc on fait une fiesta. Hein, je retrouve mes boîtes, tu étais moi. Il t'a cassé. La pièce est cassée. Qu'est-ce que je fais? Oh, c'est délicat. Je lui facture directement ou je vais avoir commandé? Tu peux toujours envoyer. Ça va bien. Tiens le temps pour dire, je vais l'envoyer. Tiens le temps pour dire. Nouvelle batterie pour le 450 de Kevin. Ça va, ça descend, tu vois les bulles. Tu fais quoi là? Je remplis la batterie. Tiens, les retours de la vidéo sont pas mal, ils aiment bien tes explications, les abonnés. C'est vrai? Ouais. Il va falloir que j'en fasse plus alors. Eh, c'est vrai, j'ai eu des commentaires. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? T'as vu, c'est pour le faire parler ça. Ouais, mais j'en ferai sur le quad de Manu. Ouais, ouais. Ah, c'est pas mal. Ça, ouais. Tu t'expliqueras le rodage et tout ça. Ouais, voilà. Ouais, laisse mon pistolet tranquille. Will. Ouais. Explique un peu ce que t'es en train de faire avec ce petit quad là, quoi. En fait, ce petit quad, c'est la navette officielle de la NRV Team. Donc concrètement, ce petit quad nous sert à effectuer des navettes très régulières entre le dessus de l'atelier et le dessous. Tout simplement ben, pour économiser un petit peu la force physique pour la saison 2017. Voilà. C'est ça quoi. Concrètement, on essaye de se préserver parce qu'on a d'énormes objectifs pour 2017, donc c'est maintenant que ça se prépare. C'est là la préparation physique a commencé. Voilà. En fait, pour le quad, il faut pas entraîner les jambes, il faut entraîner le pouce. C'est le plus important. Le pouce. C'est l'entraînement du pouce. Gros moteur là-dedans, non? Très gros moteur qui développe énormément de chevaux. Donc c'est pas à mettre entre les mains de N'importe qui. Hein. Oh là là. On regarde tout, hein. Je peux le constater. Homologué ça, non? Oui, oui, homologué. Homologué, hein. Attends. Le guidon, tu te rends pas bien compte, comme ça on ne le voit pas bien. Ouais, mais si, t'inquiète, ça se voit bien, ouais, ça se voit vraiment bien qu'il est complètement plié. Qu'est-ce qui s'est passé, Wheelman? Un peu trop chaud le premier jour de neige. Un peu trop chaud, ouais, en gros j'ai roulé 10 minutes et j'ai attaqué un peu trop. Et ben, tu verras, vous verrez la vidéo bientôt, je suppose. On va la mettre sur ta chaîne. Puis t'as 1 million de vues. 1 million de vues, ouais. 1 million de vues sans problème. Je me suis retourné et ça va pas trop de dégâts sur la machine. En fait, t'as plié la colonne et puis c'est tout. La colonne de direction et le guidon, bah, c'est ce qui ramasse en premier quand ça se retourne. Quoi. Du coup, la nouvelle colonne de direction va arriver par la poste. Le moteur, il est en révision. Nouveau kit pignon chaîne. Tu vas mettre quoi d'autre? Tu changes quoi? Bah écoute, je vais... Déjà, tout ce qui est roulement, ça le change pour 2017. Donc, il y a un roulement de direction. Roulement de triangle. On a été chercher. Les roulements de triangle. D'ailleurs, il y a un tuto sur ma chaîne. Pour qu'elle puisse suivre. Pour voir comment ça fonctionne. Donc ça... Ça se trouve ici. Les roulements là-dedans. Donc il va changer tout ça, les 4. Donc les 4 du bas parce qu'il a changé il n'y a pas longtemps celle du haut. Et qu'est-ce que tu vas faire d'autre? C'est des détails. Mais... Ouais, si j'ai repris des goujons, on pourrait partir pour une saison complète. Je
parce que bon, ça rouille, ça s'use, les filets s'usent, abîment, il y a du jeu, donc... Ça, les goujons, c'est au niveau des pneus, enfin des roues, pas des pneus, c'est où il y a les élargisseurs. Voilà. Le carbu. Ouais, le carbu, dans un sale état. Bon là, c'est tout frais, là. Le démontage est tout frais, maintenant après il va nettoyer toutes les pièces proprement et tout ça. Oui. Comme ça il sera tout nickel comme celui de Kevin. Coupe-circuit. Le coupe-circuit c'est obligatoire, non, en course ? Ouais. Pour ceux qui connaissent pas un petit peu trop le système, c'est en fait tout simplement si vous tombez du quad, bah, vous mettez ça à votre poignet. Si vous tombez du quad, bah, ça va tirer ici, cette partie-là. Et ça va faire en sorte que le quad il s'arrête. Sur la vidéo de Kevin que j'ai postée il y a pas longtemps, je sais plus qui m'a demandé comment ça fonctionnait la poignée exactement et la gâchette. S'il fallait des autres câbles et tout ça, on va vous montrer comment ça fonctionne. Ici en fait il faut un guidon de 22. Ouais. Une fois que tu as ton guidon de 22, ça se glisse dans la poignée tirage rapide ici. Ouais. Donc tu la mets dans le fond. Et ça c'est le câble d'origine, ça ? Ça c'est le câble d'origine. Ouais. Et en fait tout va dépendre de ton câble en fait. Parce que chaque câble, tu vas voir ici. Voilà. C'est là. Très simple. Chaque câble ici a une petite attache, petit truc en métal. Et ça dépend du diamètre, tu vois. T'as des diamètres qui sont plus gros, alors ça rentre pas dedans. Ouais. Moi, j'ai eu de la chance, ouais, mon câble était bon, tu vois. Mon câble était bon. Et donc, en partant de là, bah, t'as pas besoin de changer ton câble. Par contre, bah, si ton câble est trop gros, bah, tu sauras pas le mettre dans l'attache. Quoi. Ok, et du coup, le système de gâchette. Le système, comment ça fonctionne ? C'est soit tu prends ta gâchette, donc c'est ici que ça va activer. Ça va tirer ton câble qui va à ton carburateur ici. Ouais. Ou alors tu prends le système de gâchette tirage rapide. Et à ce moment-là, ça va tirer sur le câble. Bah ici, il n'est pas attaché, donc ah, c'est ouais. Difficile. Okay. Ça va tirer et ça, voilà, tu vois, ça va tirer. C'est pas mal. Donc tu peux avoir les deux. Et en fait, tu peux désactiver ici par en dessous. Ici, tu as une petite pièce que tu enfonces ou pas. Pour venir caler le tirage rapide ou pas. Tu peux pas activer les deux en même temps. Si. Si. Là, j'ai les deux activés. Je peux utiliser les deux. Voilà. Là, il est dedans. Elle bouge plus. Ok. Et il y a plus que celle-là qui va. Et là, elle est calée. Ok. Ouais. Pas mal. C'est pas tout mal. Simple. Nouveau bumper avant. Bien stylé. Protection triangle. Bien stylé. Avec la peinture comme ça en deux couleurs, ça le fait à mort. Et bientôt, des nerf bars noirs. Ça va vraiment tout changer, ça. Canon comme ça, franchement. Ouais, je vais enlever la plaque. Le guidon, il est vraiment bien aussi. Là, je vais enlever la plaque, enlever les rivets et la cadre en bleu. Ah ouais, ça va bien donner. Le même bleu que les rotors. Note que moi j'aime bien cette touche noire comme ça devant. Ouais. Ah ouais. Je sais pas si je la perdrai personne. Rollin' with it, I'm not mad. Rollin' with it, it's so cool. Rollin' with it, I know you don't fuck with the shit I do, but I still love you. Rollin' with it. Rollin' with it. Rollin', 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 rollin' with it. I'm not mad. Rollin' with it. It's all cool. Rollin' with it. I know you don't fuck with the shit I do, but I still love you. Rollin' with it. Rollin' with it. La machine de guerre en main, fais attention. Oh, y'a Formule 1. C'est prêt, go? Ouais. Faut tenir le guide. Enfin, non, ça va. Ouais, y'a pas moyen. C'est bon? Ouais, c'est fait. La tresse électrique a été retirée du châssis. On peut voir les endroits où ça a été un petit peu usé par le frottement. Et puis j'enlève tes freins, j'enlève tes roues. Allez, qui est enlevé et tout, on enlève tout. Tu vas le peindre en rouge encore? Ouais. Ouais. D'huile de caisse, gros. Ouais, de caisse. Ouais, en rouge maintenant pour les triangles. Il savait pas que je le filmais. T'as plus de rondelle toi? T'as jamais eu de rondelle? Ouais, devant non? Oh putain! Faut équilibrer. J'ai filmé, t'inquiète pour l'assurance. J'ai filmé Kev. Non, bon, démarre ou démarre pas?
avec la nouvelle batterie, ça devrait le faire. Attends, t'es prêt? Yes! Et voilà! Oh, 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 oh. Fin de journée. Une 2-8. T'es sûr? Ouais, vas-y, viens vite. Faut que j'essaye là. We at the highest level, yeah, I know you feel me. I'm at the dealership, like what's the dilly? Usher Raymond Chain, it's too chilly. Usher Raymond Chain, it's too chilly. I need my cash money, your milli, your milli, your milli, your milli. These bitches is litty, my niggas is litty, we lit up the city, you feel me?